Météo propice et vacances, idéal pour une balade sur la Corniche. Mais non, impossible, et pour 3 semaines, en raison de travaux de sondage géotechnique commencés ce matin sur la départementale 912. Alors forcément, à la lecture des arrêtés municipaux de Andaye, Runiers-Cibourg, les promeneurs sont un peu déçus. Déception, oui et non. Enfin là, on va contourner l'obstacle. Après, bon, c'est sans doute des travaux qui sont sans doute importants pour voir quelle est la cause de cet affaissement qu'il y a eu il y a quelques mois. Si c'est nécessaire pour que le littoral tienne bon, il faut le faire, quoi. Et c'est exactement le but de ces carottages, auxquels procèdent les sociétés spécialisées Géolite et Tensol, pour le compte de la Direction départementale des territoires et de la mer. Les travaux ici sont des travaux de sondage, donc l'objectif étant sur 5 tronçons de la route de la Corniche d'identifier en fait les sous-sols, la nature de la roche et donc la géotechnique, et pour pouvoir ensuite aider en fait les décideurs, donc le conseil départemental et les collectivités, à prendre les mesures adéquates. Car la Corniche, déjà fragile, est soumise à rude épreuve. Le recul du trait de côte en règle générale, il est lié à l'action érosive de la mer, de pied de talus, et l'action en fait, comme on dit, continentale, c'est-à-dire l'arrivée d'eau, les eaux de ruissellement. Et l'effet conjugué en fait de ces deux actions fait qu'on a effectivement la falaise qui a tendance donc à partir. Confortement de la Corniche, nouveau plan de circulation, des solutions que ces analyses conditionneront.